Bâtir une école, c'est un projet ambitieux. Ça prend beaucoup de gens, beaucoup d'équipes. Et ils se mobilisent tous dans un seul et même objectif, d'offrir un lieu d'apprentissage unique pour vos enfants. C'est en présence de nombreux invités que la nouvelle école primaire qui vient de voir le jour dans le secteur de Saint-Augustin à Mirabel a officiellement été inaugurée. La nouvelle école, qui peut accueillir jusqu'à 432 élèves, sera maintenant connue comme étant l'école des Blés Dorés, une allusion à son caractère rural et agricole. Pour cette cérémonie, le comité organisateur a eu l'idée d'inviter des élèves de l'école à poser des questions à quelques intervenants. Ceux-ci se sont bien sûr prêtés au jeu, non sans faire découvrir quelques aspects de l'établissement. Aussi, on a procédé au dévoilement du nom et du logo, puis une visite des lieux a permis de la découvrir un peu plus, qu'il s'agisse du gymnase, de la bibliothèque, des classes ou de l'atrium, où surplombe l'œuvre d'art intitulée « La ronde des choux ». Un reportage de Benoît Bilodeau à Mirabel.